Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de peindre par un temps gris, un temps pluvieux? Eh bien, voici quelques avantages. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne. Et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Les jours gris, les journées sans soleil sont souvent vues comme des journées tristes, maussades. Alors on avait prévu de sortir notre chevalet, notre matériel de peinture, d'aller faire un beau tableau de paysage sur le motif en plein air, sous un beau soleil, puis... Malheureusement, la météo n'était pas là comme il se devait. Et puis, on se retrouve avec un jour comme ça, maussade. Alors là, il fait 1 degré. Et puis, il pleut un petit peu. Mais savez-vous qu'il y a des avantages quand même de peindre comme ça, sous une lumière d'un ciel couvert? Il y a beaucoup d'avantages. Et je vais vous les donner. Dans cette vidéo, je vais vous donner ces avantages-là. Mais juste avant... Je tiens à vous rappeler que vous avez un lien dans la description sous cette vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger le e-book de peintre débutant à peintre confirmé. Je me souviens, il y a quelques années, c'est pareil, lorsque je voulais peindre dehors, je me souviens d'une fois particulière, c'était dans les cantons de l'Est, et puis j'étais parti tout un week-end pour l'Action de Grâce, les belles couleurs d'automne, tout était prévu pour être beau, puis il s'est mis à pleuvoir, il a plu toute la journée, même les 2 jours du week-end, et donc j'étais déçu, je ne suis pas allé peindre, j'ai fait juste quelques photos, c'est tout. Donc c'est comme ça que je réagissais avant, mais maintenant, avec du recul, avec beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de, on va dire, d'habitude en peinture, lorsqu'il arrive une journée comme ça, où on est, c'est gris, c'est maussade, eh bien, on peut quand même aller peindre dehors et il y a certains avantages. Et il ne faut surtout pas les oublier, ces avantages, parce que tout ce qui est avantageux en peinture va nous aider. Ça va toujours nous donner de la facilité. Alors, je vais vous les lister, ces quelques avantages-là. Alors d'abord, le premier, c'est pour le confort, notre confort. Déjà, on est sûr de ne pas avoir trop chaud. S'il fait froid, on peut toujours s'habiller plus. Mais quand on est sous un gros soleil, comme on a eu cet été dans le sud de la France, où la sueur coule sur nos yeux, c'est désagréable. T'sais, on ne peut pas se mettre un ventilateur, on est en plein air, on est dehors, puis il fait une chaleur torride. On peut mettre un parasol, essayer de se mettre à l'ombre, il n'y a pas toujours de l'ombre. Je me souviens à Arles, au pont Van Gogh, la première journée où je suis allé peindre, avant les stages, il y avait vraiment pas d'ombre du tout, c'était très 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 chaud. Alors là, bon voilà, c'est confortable, on est sûr qu'on n'aura pas trop chaud. Souvent, lorsqu'il y a des journées maussades aussi, grises comme ça, il n'y a pas de vent. La plupart du temps, comme là, il n'y a pas un brin de vent, c'est excellent. On est sûr qu'on ne va pas attraper de coups de soleil, hein, ça c'est certain. Et voilà, puis s'il fait frais, on peut toujours s'habiller en conséquence. Mais au niveau de la peinture, ça c'était le confort personnel, mais au niveau de la peinture, les éléments qu'on veut peindre, comme ici, il y a de l'eau, il y a des rochers, il y a des arbres, tout a pris ses couleurs naturelles, sa véritable couleur. C'est-à-dire que ça n'est pas noyé par un soleil très fort qui va venir éclater la luminosité sur un tronc d'arbre, sur un rocher, une pierre. Et c'est pareil, donc si les lumières ne sont pas éclatantes, les ombres ne sont pas trop noires non plus, on ne les verra pas trop foncées. Oui, c'est vrai, on peut dire que des fois ça manque de volume, c'est peut-être plus plat parce qu'il n'y a pas de soleil, mais il y a quand même des luminosités, le ciel est clair, hein, et les ombres sont douces, mais elles sont là quand même. Donc, faut bien les observer, puis ça va fonctionner. Mais c'est ça, on a vraiment les belles couleurs, la luminosité est là quand même, et la pluie, lorsqu'il a plu, a retiré un petit peu ces poussières qu'il y a dans l'air, l'air est plus pur. Il y a moins de pollution. Les arbres mouillés ont une couleur différente que lorsqu'ils sont secs. L'herbe mouillée aussi, la couleur est différente. Ce sont vraiment des belles couleurs vives. Si on veut prendre des photos de référence, on n'aura pas des zones surexposées, des zones sous-exposées.
On peut faire des super belles photos. D'ailleurs, les photographes professionnels préfèrent une température comme ça, une météo grise, pour aller faire des photos de fleurs, par exemple, dans les jardins. Parce que si vous avez un soleil trop fort sur une fleur, ben vous allez avoir des ombres disgracieuses, des ombres trop fortes. Les pétales vont paraître parfois trop blancs, trop éclatés de lumière aussi. C'est difficile à gérer la fourchette entre les plus pâles et les plus foncés. Quand c'est surexposé dans les plus pâles, les noirs sont trop, les foncés sont très bien, mais si on expose bien les lumières, les foncés sont trop noirs, vous voyez, c'est difficile d'aller chercher les bonnes valeurs sur des photos. Alors que là, ce problème n'est pas là. Vous pouvez faire des super belles photos et vous aurez toujours des bonnes valeurs, pas de surexposition, pas de sous-exposition. L'autre avantage aussi, c'est que la lumière est constante. Si vous êtes sous un soleil et qu'il y a quelques nuages qui passent, bien lorsque vous faites de la peinture, hop, soleil, ombre, soleil, ombre. Ça change tout le temps. Ce n'est pas évident de peindre quand c'est comme ça. Je vous le dis, c'est vraiment même très difficile. Et d'autre part aussi, eh bien, le soleil, entre le matin et l'après-midi, va changer de position. Et vos ombres ont changé de position. Ça aussi, ça m'est arrivé lorsque je peignais le pont Langlois sur le motif à Arles. C'est incroyable, on commence le tableau, le soleil il est à gauche, on le finit, le soleil est à droite. Donc vos ombres ont complètement changé, le paysage a changé complètement. Avec un temps gris, ça n'arrive pas. Un autre avantage aussi, c'est que le soleil ne viendra pas inonder de lumière la palette et la toile. On n'aura pas le risque d'avoir, par exemple, l'ombre de la toile sur la palette ou une partie de la palette. Vous voyez, vous aurez toujours un éclairage constant. C'est un véritable éclairage de studio ici. Et on n'a pas le risque aussi que si le soleil est de l'autre côté, qu'il vienne traverser votre toile et qu'on le voie transparaître au travers de la toile avec la barre du chevalet, ces choses-là. Vous voyez, toutes ces choses qui dérangent lorsqu'il y a du soleil, là, on ne les a plus. C'est vraiment un autre gros avantage. Et je vous en donnerai encore un dernier. Tiens, si vous peignez en acrylique, c'est pas merveilleux, ça ne séchera pas trop vite. Là, aujourd'hui, ça serait l'idéal pour peindre à l'acrylique. Moi, je suis prêt pour peindre à l'huile, mais l'acrylique, ça serait vraiment super ici. Même si vous n'avez pas une palette humide, l'humidité dans l'air est là et il fait frais. On est très, très bien. C'est vraiment une très belle journée pour faire de la peinture. Et je vois qu'il y a des gens qui commencent à promener ici autour du lac. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas le seul dehors aujourd'hui. C'est une très belle journée, voilà, pour faire de la peinture. Voilà, alors comme une image vaut 1000 mots, hein, imaginez 60 images à la seconde. Donc, je vais faire une petite démo. Tiens, je vais me mettre en place et je vais commencer à peindre ici un tout petit format. C'est un 23 par 30 cm, 9 par 12 pouces, en peinture à l'huile. Il pourrait se mettre à pleuvoir dans pas longtemps. En fait, en vérité, c'est ça, j'ai pas ma montre là. J'ai une fourchette à peu près de maximum 2 heures avant que la grosse pluie arrive. On a 80% de chances qu'il pleuve. Donc je me lance tout de suite dans la peinture et on va voir ce que j'aurai le temps de faire. Alors c'est parti. Je suis bien abrité. J'ai quand même mis mon parapluie au-dessus de ma toile et ma palette. Ça devrait être correct. J'ai ma peinture à l'huile, comment on appelle ça, la gamelline, le blanc de titane. Ici, j'ai un blanc chaud. C'est la première fois que j'utilise ça. Vous voyez, warm white, blanc chaud. Le jaune ansa clair. Le rouge cadmium clair, cramoisi d'alizarine, terre d'homme brûlé, bleu phtalo et bleu outre-mer. C'est bon. Allez, je vais partir. Je vais me faire un petit fond rapide avec juste un petit peu de dilué à peinture. Un petit fond dans des couleurs froides qu'il y a là-bas en arrière-plan. Je n'ai pas prévu encore mon dessin. C'est de l'improvisation assez... De l'improvisation, c'est ça. Je vais mettre un tout petit peu... Faire un gris bleuté. Pourquoi pas un petit peu verdâtre. Je pars dans du froid pour commencer, puis je vais réchauffer tout ça après. Malgré la température, ça devrait un petit peu sécher, s'évaporer un petit peu. Je vais arrêter mon fond de l'arrière-plan ici. Et je vais commencer, je vais descendre un petit peu plus bas.
Voilà, je me fais un petit V ici comme ça. Je suis selon mon cadrage. Alors c'est ça, ça dépend comment je vais vouloir cadrer tout ça. J'aime bien la chaleur, fait que je vais remonter de la chaleur plus haut. Je vais mettre un fond chaud pour le bas. Pour commencer. On va réchauffer tout ça. Voilà. Je me fais une toile, un fond en deux couleurs. C'est vraiment très 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 basique. Juste pour enlever le blanc. Ouais. Je ne veux pas peindre sur une toile blanche. Ah oui, c'est 50-50, ce qu'il ne faudrait pas faire normalement, mais c'est pas grave. Voilà, je vais pouvoir remonter mon foncé par là-haut. Voilà, c'est bon. Ce qui fait que là maintenant je vais pouvoir faire mon dessin, placer mes éléments. Je vais y aller avec un pinceau, juste avec du diluant à peinture, rien dessus. Ma ligne d'horizon, là-bas j'ai le lac, on va la placer à peu près ici. Comme ceci. Voilà, donc il y aura un petit peu de ciel peut-être, peut-être. Mais vraiment pas beaucoup qui descendent par là, ici, là, voilà. C'est bon, je le vois à peu près. J'ai mon lac, alors j'ai un petit V. Je vais mettre des pierres, des rochers que je vois ici devant. Je vais faire un petit cadrage comme ça, il va venir ici. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Je vais placer mes rochers. Alors les écureuils se courent après. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les rochers. Ça, c'est rare d'avoir des rochers comme ça dans mes paysages au Québec. J'en profite. Je vais les marquer un peu plus, sinon vous ne les verrez pas bien. Allez, je prends un petit peu de terre dans mon brûlé. Je mettrai un petit peu d'alkyde déjà parce que je voudrais que ça sèche quand même assez vite. Vu que je suis dehors. Alors les proportions ne sont peut-être pas exactement comme ça, mais je trouve que en les plaçant comme ça, c'est plus joli pour mon tableau. C'est je fais passer la composition, si vous voulez, avant la représentation exacte des formes que j'ai sous les yeux. C'est-à-dire que lui, j'ai peut-être déplacé un petit peu à gauche. Lui, il est plus petit que prévu, plus petit qu'en vrai. Lui, je l'ai ramené un peu vers la droite, sinon il était plus à gauche. Voilà, c'est ça. Par contre, là, il y en a à droite, c'était un rocher coupé en deux. Je ne sais pas si je le fais exactement comme ça, si ça va être bien. Alors, je ne vais peut-être pas le faire du tout, du tout. Par contre, il y a un arbre à droite, je vais le déplacer un petit peu. Le mettre plus par ici. Ça, ce sont les arbres du premier plan. Ah, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été un bon temps pour faire de l'acrylique. Hein? Franchement, oui. J'ai même un peu peur que ma peinture ne sèche pas, ma peinture à l'huile. Et là, je vais replacer un petit peu. Ici, il y a des arbres. Voilà. Je vais reprendre mon gros pinceau, je vais essuyer ma palette. Et je vais commencer à placer mes taches les plus foncées. Qu'est-ce que j'ai de plus foncé? Bon, c'est surtout le... Alors, je plisse les yeux pour regarder mon modèle. C'est surtout les arbres de l'avant-plan. Alors, ça va me déranger si je les fais tout de suite. On va commencer par l'arrière-plan, plutôt. Il y a une brume qui est en train de s'installer. On va travailler avec de l'alkyde. On va faire un gris. Verdâtre. Toujours le blanc chaud, il va très bien. Je vais utiliser que du blanc chaud aujourd'hui, puis si j'ai besoin d'un blanc pur, vraiment pour faire un accent, je viendrai chercher le blanc de titane. J'aurais pu travailler avec de la... Comment on appelle ça? De la Fast Mate aussi. La peinture Golden Fast Mate qui sèche très vite. J'aurais très bien pu aussi prendre ça.
Oui, c'est un gris chaud. Oh, c'est trop foncé. Je vais aller faire un petit coup de ciel. Obligé de prendre le pur pour l'instant. Ça se mélange à ce qui est déjà sur la toile. Oui, ça va aller. Ce qui fait que je vais avoir un ciel là où il y en aura, il n'y en a pas beaucoup. Un ciel un petit peu chaud. Médium alkyde, je vais le rapprocher sur ma palette ici. Voilà, juste très très peu de ciel. Une petite touche. On voit un petit peu de ciel dans l'eau par ici. Alors je mets l'ambiance hein, au niveau des couleurs. L'ambiance d'une journée grise pour l'instant. Voilà, je vais revenir dans mes gris un peu plus chaud, un peu plus foncé pour le haut des arbres ici. Ah oui, voilà, c'est bon ça. C'est très loin là-bas, c'est l'arrière-plan. Oui, autant c'est la ligne d'horizon, je vais la monter un petit peu peut-être. Alors autant c'est flou, c'est mal peint pour que justement ce soit un peu flou tout ça. On pourra y revenir si on veut une deuxième couche, comme on pourra aussi bien le laisser comme ça si on veut. Là, je vais aller un petit peu plus verdâtre. J'ai le bas qui est un petit peu plus vert. Mais vous voyez, c'est gris, vert, froid, froid, vert, des couleurs ternes, hein. Voilà, un peu plus bleuté. Ah oui, c'est pas mal ça. Voilà. Un petit peu plus de bleu, de blanc. On va ramener ça un petit peu plus turquoise, légèrement. Voilà, plus bleuté, oui. On joue directement avec les couleurs. Un petit peu comme si je voulais finir cette partie-là. C'est ma dernière couche, ma première. Il pourrait y en avoir une deuxième, comme ça peut être la dernière aussi. Pourquoi? Ben, ça dépend du temps, de la météo, je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir continuer à améliorer ça ou pas du tout? Je ne sais rien du tout. Voilà, c'est vraiment grisâtre, c'est là-bas au loin. Une couleur pas mal ça qu'on a dans l'eau aussi, notre reflet. De jaune, un petit peu de rouge, cramoisi. Je reviens dans mes gris, tiens, voilà. Plus de jaune, un petit peu, voilà. La ligne d'horizon. Finalement, je ne l'ai pas monté. Je pense que je l'ai laissé au même endroit, il me semble, je ne sais pas. Voilà. Elle est pâle. Voilà, ces petits accents pâles, je pourrais revenir après avec de la peinture plus épaisse pour en rajouter. Voilà, un petit peu de rouge par endroit, par là-bas. Quelques reflets dans l'eau. Un peu de fondu ici dans l'eau aussi. Voilà. Un lac, ça, ce serait comme, je pourrais appeler ça un lac lointain, là, un lac de l'autre côté. OK. Avant des, peut-être, quelques touches après pour venir
apporter un petit peu plus de réalisme après. Là, l'important, c'est l'avant-plan, c'est lui, là, qu'il faut que je travaille bien comme il faut. On va y aller. Alors, vu que pour l'instant, la météo me laisse tranquille, je continue. Je vais y aller avec mes orangés, là, vifs, de l'avant-plan. Un petit peu de brun là-dedans. Cette végétation qui est ici, là, voilà, j'ai pas mal la bonne couleur. Ouais, ce qu'il y a de bien aussi quand on peint comme ça, une journée grise, c'est que je peux prendre ma couleur, là. Je la présente comme ça devant mon sujet. Et je peux vraiment la comparer à savoir si j'ai la même teinte, oui ou non. Mettre un peu de blanc pour rendre ça plus gris. C'est trop rose, un petit peu de jaune. Ça me permet vraiment de comparer. Ah, c'est pas mal ça, là, t'as un petit peu plus de jaune encore. Oui, c'est ça. J'ai la bonne couleur. Alors que s'il y avait du soleil, ben mon pinceau serait dans la lumière, trop éclairé par la lumière, hein, ou bien ça serait trop de soleil sur l'élément et pas sur mon pinceau, parce que mon pinceau serait à l'ombre, vous voyez. C'est ça qui est problématique. Oh, mais mes rochers se sont un petit peu dispersés. Celui-là est un peu orangé aussi. Ok, là c'est un petit peu plus pâle. Les couleurs sont un petit peu différentes selon les endroits. Par exemple, si je veux venir derrière ces rochers, c'est plus jaune. Alors je ne peins pas pareil que quand c'est en plein soleil, où je sais que je vais avoir en 15 minutes un véritable séchage ici. Là, c'est pas du tout ça. Je ne sais pas du tout comment ça va sécher tout ça aujourd'hui. Étant donné que la température est très basse, on est proche des... Peut-être ça a un peu monté, il n'y a pas longtemps c'était 1 degré. Alors là, je ne sais pas. Je reprends un peu des restants de couleur verte ici. Je travaille un petit peu partout en même temps. Là-bas, j'ai un petit rocher gris derrière. Ici, j'ai du foncé, du noir par là. Là-bas aussi, je vais avoir d'autres teintes. J'ai un gris un petit peu plus bleuté pour un rocher. Un petit peu de bleu outre-mer ici. Et un petit peu de rouge, tiens. Voilà, qui se trouve ici en bas. Alors, je ne peux pas laisser ça juste là. Je vais en mettre peut-être un petit peu moins de rouge, plus de bleu. Voilà. J'en ai des foncés à mettre ici. Derrière ce gros rocher. Oui, j'ai aussi là des teintes, des gris. Comme ceci. Voilà. Quand on fait une peinture comme ça, il ne faut pas tout peindre, hein, sinon on va se retrouver coincé. Il y a certains éléments qu'on va devoir faire ressortir par rapport à d'autres, et on va peindre juste ces éléments-là. Hein. Je vais revenir pour mes rochers après. Allez, je vais faire du foncé, du très foncé, bleu, outre-mer, terre d'homme brûlée. Après, je prendrai le pinceau un peu plus petit. Là, actuellement, il me pleut un petit peu dessus, je le sens, mais très peu. Ça ne me dérange pas. Puis, à un moment donné, on est dans une certaine concentration que la pluie, on la sent quasiment plus. Hein. Là-bas, ici aussi, à la base de ce rocher, j'ai du foncé. Oui, la pluie est en train de reprendre de la force. Ok. Alors, si jamais il se mettait à pleuvoir trop fort, qu'il fallait arrêter là, ça serait vraiment pas bien parce que j'ai pas assez d'informations sur mon tableau. Je vais de suite placer mes troncs d'arbres. Ok, comme j'en ai un qui s'en vient jusqu'ici, ici, là.
J'en ai un par ici à peu près. En fait, j'avais un là-bas aussi. Bon, mais je l'ai décalé. On va le mettre ici. Voilà. Voilà, il y en a un ici, par là. Un autre ici. Vous voyez, comme le lac, finalement, maintenant, il perd son importance. Il est juste un élément secondaire. Il y en a un pas mal gros par là. Et voilà, il y a tout ça aussi. Là, il y aura des branches, bien entendu. Alors, j'ai quand même ma photo de référence au cas où. Je vais faire mes pierres. Alors celle-là qui est plus en arrière, qui est vraiment plus blanche. Qui change de couleur après. Il y en a une qui est un tout petit peu légèrement plus bleutée. C'est celle-là ici. Et un endroit un petit peu plus rosé, elle change de couleur ici. Voilà. Donc l'autre alors redevient plus rosé ici aussi. Grise quoi, gris rosé, tiens. Celle-là là. Plus foncé. C'est bon. Un peu de texture. Alors c'est là que je suis très content d'avoir un chapeau. Donc ça, c'est plus pâle que la végétation d'en arrière. Je referai un petit peu de végétation derrière, légèrement. Ici. Ouais, il y en a beaucoup plus que ça même. On va enlever un petit peu du ciel ici. Je prends pas le temps de nettoyer le pinceau. On est dans l'urgence. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est ne pas stresser. Continuer à travailler tant qu'on peut, puis après, quand on peut plus, ben on arrête. Allez, un petit gris bleuté encore. Ah, par ici, en bas. On a une espèce de pierre ici. Celle-là, je ne l'ai toujours pas faite, hein. Je suis un petit peu en retard sur elle. Alors, c'est sûr qu'elle est rosée, et pas mal rosée. Elle passe devant l'autre. Sur le haut, comme ça, elle est assez rosée. Elle devient plus foncée. Oui, c'est des gris, tout ça c'est tout des gris, on va mélanger un petit peu de vert, voilà. Ici elle fonce pas mal. Oui. Il me reste un peu de peinture. Je vais texturer un petit peu ici et là. Alors selon la météo, la pluie ne s'arrêtera plus là. Jusqu'à ce soir à la nuit.
Ça va s'arrêter ce soir dans la nuit, donc on est un peu coincé. On fait ce qu'on peut, tant qu'on peut. Là, je vais mettre une autre roche qui était ici. Je l'ai effacée sans faire exprès. Alors, si quelques gouttes tombent dans la peinture à l'huile, c'est pas trop dangereux pour la peinture, c'est pas gênant. Alors là, maintenant, ça a complètement changé. Il y a une grosse brume. Tout le lac est devenu blanc. Tout est blanc là-bas. Je peux plus vraiment beaucoup regarder, observer, faire ce que je vois comme je le vois, parce que c'est fou, hein. Ça a vraiment changé terriblement. Donc, je vais juste remettre quelques touches. Je vais commencer à travailler avec des touches plus, un peu plus précises, là, voilà. Pour donner rapidement de l'éclat à certaines choses. Un peu d'alkyde pour que ça sèche vite. Ce qui est certain, c'est que même si j'ai pas le temps de finir mon tableau, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'aurai fait, ça sera bon pour moi, pour mon développement personnel en peinture. Si mon tableau n'est pas terminé, s'il n'est pas beau, alors ça peut être un tableau qu'on va continuer et finir à la maison ou en atelier, comme ça peut être quelque chose que ben, on laisse tomber. Ça m'est arrivé souvent d'effacer mes tableaux et de les reprendre simplement, de recommencer complètement. Le même sujet une autre fois où c'est fini, je ne le referai plus jamais, je ne le toucherai plus, j'efface et on fait autre chose à la place. Voilà. Je remets un petit peu des troncs d'arbres pâles un peu là-bas comme ils étaient précédemment. Ils sont plus là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, l'arrière-plan doit rester un arrière-plan. Ok. Ah oui, c'est ça, je m'étais dit aussi, j'avais une belle... J'ai des belles touches à mettre là-bas au fond, des beaux oranges plus vifs, plus pâles quand même, ici. On a un contre-jour sur le lac. Alors, contre-jour sur... Ah oui, non, mais c'est ça, c'est parce qu'il s'est éclairci le lac, hein. Il s'est éclairci beaucoup, beaucoup. Alors, il est plus devenu comme ça un petit peu maintenant, mais complètement, hein, jusqu'en haut. Hein. C'est ça. Si je le fais un petit peu maintenant, ça va aider à mieux voir ma végétation d'avant-plan, en fait, c'est ça. Alors, mes avant-plans, eux, ils bougent pas. Hein. Il n'y a pas de brume dessus. Là, je peux les continuer, comme je les vois. Il n'y a pas de problème, on va pouvoir continuer à texturer un petit peu ici. Bon. Ici aussi, il se passe beaucoup de choses foncées dans le bas ici, près des troncs d'arbres. Et là, j'essaye de faire un peu ce que je vois, comme je le vois. Un peu comme d'habitude, hein. J'ai oublié d'apporter un couteau pour peindre. Ça aurait été bien aussi. Ah, il y a énormément, énormément de végétation comme ça partout qui vient un petit peu me sauver la vie. Hein, c'est une forêt. Et ce sont ces touches-là qu'on met après par-dessus. Ces touches très nettes
qui représentent des branches. On en fait des foncées, puis après on va en faire des pâles. Ces touches très très nettes viennent donner le relief et donner au lac son véritable rôle de n'être finalement qu'un... Le lac, qu'est-ce qui est derrière le lac? De n'être qu'un décor très très secondaire. Voilà. Ici, on a deux arbres, et là, il y a celui-là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, il m'en manque un. Ici aussi, il y en avait un gros, ben, c'est ça, j'en ai un petit peu enlevé des arbres, ce qui n'est pas dérangeant, mais à un moment donné, je vais en rajouter un autre ici, là. C'est lui qui est là et qui va me permettre de faire aussi des petites choses comme ça. Voilà. Et bien sûr, il y a des branches qui viennent de droite, d'un arbre qui est à droite, en dehors du tableau. Alors, une harmonie orange et verte, hein, bleu-vert, hein, ça, c'est une harmonie qui vient de s'installer un petit peu naturellement, puisqu'un petit peu ce que j'avais sous les yeux avant qu'il y ait la brume là. Et donc, c'est bon, ça fonctionne. Je peux m'en servir maintenant et compléter cette harmonie déjà existante là. Alors, il y a vraiment énormément de... des souches, des racines, du bois pourri, c'est à la fois un lac un petit peu, presque une tourbière par endroit. D'ailleurs c'est plein d'arbres morts là, il n'y a plus de... C'est des bases d'arbres morts qui nous restent là. Il n'y a plus rien en haut sinon du bois sec. On va changer les couleurs, hein, ici, tout ça, là, c'est bien, c'est super, mais il y a aussi un petit peu des feuilles d'épinettes jaunes là, qui sont sur le point de tomber, épinettes ou mélèzes. Donc je vais prendre justement, ça ressemble un petit peu à ce vert, ce jaune verdâtre. Ou non, c'est beaucoup trop froid ça. On va y aller avec un petit peu de rouge dedans, voilà. C'est ocre, en fait c'est ça, c'est ocre, oui. Oh non, c'est beaucoup plus rouge que ça. Ça c'est trop rouge, c'est un entre les deux là. Ah oui, c'est bien. Alors, je ne sais pas si vous entendez, là, il y a un anniversaire pas très loin. Alors, est-ce que c'est un tableau que je fais là? Non, je dirais que c'est une pratique, c'est un exercice. Tiens. Étant donné que la pluie est là, assez importante aussi. Ah oui, un jour, j'ai peint un tableau sous la pluie. Alors, j'étais au bord d'un lac aussi, comme ça, c'était au Mont-Saint-Bruno, le parc du Mont-Saint-Bruno. Et ben, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait juste un tronc d'arbre, c'est tout, hein, un tronc de bouleau, là. Voilà, c'était très minime ce que j'ai fait, mais waouh, moi je l'aime bien. Linda n'aime pas trop celui-là, mais il faut dire qu'il a une histoire, c'est ça. Ces tableaux-là qu'on peint comme ça, sous une température... un petit peu exceptionnel, hein. C'est une histoire pour nous, il vient nous raconter quelque chose, là, c'est une petite aventure qui s'est passée là, qui s'est produite là, et dont on se souviendra longtemps. On dira, ah ben, quand on regarde un tableau, même s'il n'est pas beau, il n'a pas été fini sur le moment, parce qu'il pleuvait, on va se dire, ah ben, tiens, ce tableau-là, je l'ai fait quand même sous la pluie, hein. Voilà.
Ah, je vois qu'ici il manque de la peinture, il n'y a rien eu là. Il me manque des accents pâles sur les arbres. Ah, les gens promènent, ils promènent leurs chiens, eh oui. Ben oui, c'est pas parce qu'il pleut qu'il faut arrêter de vivre, hein. Il y a même une certaine luminosité qui est en train de sortir actuellement là. Ah, je l'aime beaucoup ce blanchot là, tiens. Franchement, il peut facilement remplacer un blanc de titane. Hein. On remet quelques touches sur les pierres, les rochers. Il y a des débris, il y a beaucoup de débris, végétaux, pierres, beaucoup de choses ici. Là, il faudra que je détache un peu ces deux rochers. Puis en bas, hop, il se mêle un petit peu. En haut, il se détache, en bas, il se mêle un petit peu. Ok, alors ma végétation que j'ai mise, elle est trop colorée. Je vais ramener du gris là-dedans. Regardez, je vais revenir avec un petit peu de ce blanc-gris. Je vais venir la salir. Il n'y en a pas assez, je vais en prendre un petit peu. Oui. Toute façon, je peux aussi revenir devant. Alors regardez, je vais prendre, oh, je vais nettoyer mon pinceau. Un peu de médium. Je prends mon blanc chaud. Et là, je vois qu'il y a des branches un petit peu sèches aussi. Voilà. Il y a des troncs d'arbres qui ont des. Petites touches comme ça va être très bien aussi. Des troncs, des taches dessus un petit peu. Celui-là aussi, il est proche de nous, donc on va le texturer légèrement. Prendre du recul un petit peu de temps en temps. Ça, c'est un petit accident de coup de pinceau. Comme ici aussi. Voilà. Quand on peint dehors, hein, on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour peindre. Alors, on se dit, je ne ferai pas un tableau réaliste là. On va faire un tableau créatif. Soyons créatifs. C'est vraiment un petit peu plus cette réflexion-là qu'on doit se faire. On observe, oui, là, mais aussi, on interprète. Et on charge un peu plus ici. Bon. On essaye d'améliorer toujours tout, hein, composition, harmonie colorée. Alors là, la question que je pourrais me poser, c'est par exemple, cette tache rouge dans le fond là-bas qui est ici,
Bon, elle me dérange un peu, elle n'a pas vraiment d'intérêt à être là. On va l'effacer un petit peu. Peut-être que je pourrais revenir dans des blancs là et repâlir un petit peu le ciel, le lac. Ok, on pourrait faire ici ressortir un petit peu plus le découpage. Ici, là, vous voyez, entre le lac et l'avant-plan. Quelques touches un petit peu plus nettes. Alors, je ne pense pas que je vais utiliser un pinceau plus petit que celui-là. Voilà. Ah, la brume s'en va un petit peu, je revois le lac. Ce que je pourrais faire, c'est aller chercher les couleurs de l'arrière-plan, là, donc des couleurs un peu plus froides, pour l'harmonie colorée, faire quelques rappels en avant. Quelques verts un petit peu plus intenses, un petit peu plus bleu, avec le bleu phtalo. Et par exemple, un petit peu de blanc là-dedans. Voilà, vraiment les couleurs d'arrière-plan. Il y a des verts un peu par là-bas. Ah, très loin. Une roche là-bas. Il y a un petit découpage intéressant. Donc en parlant de découpage, je suis toujours un petit peu embêté avec mon rocher. Je vais revenir encore dessus, lui là, ici. C'est un petit peu mon sujet, ça, tu sais, lui, là. Fait que je vais peut-être revenir encore avec du rose, ici. Il n'a plus sa forme. Je vais devoir le retravailler un petit peu. Ici. Oui. Je vais mettre un petit peu, je vais en inventer une petite arête ici, voilà. Pour qu'il ressorte. Et lui derrière là, soit je l'enlève, soit je le fonce. Et je vais le rendre plus bleu et plus foncé. Lui là, ici, vous voyez. Voilà. Pour que l'arête ici de lui devienne plus un petit peu plus visible. Voilà. T'es. Les couleurs chaudes. Alors j'insiste sur ce rocher. Même si je n'obtiens pas exactement la couleur exacte de mon modèle, puisque je l'ai un petit peu changé ici et là, je veux qu'il ressorte. C'est... Voilà. Ici, j'ai encore un peu trop de ces feuilles vertes. J'aime pas trop ça, fait que je vais revenir avec encore des noirs là. Des branches par-dessus pour en enlever. Voilà.
j'essuie encore mon pinceau par là. Alors, en vérité, ici, j'ai des plantes qui montent, qui sont très rouges, oui. Foncé, un rouge très foncé. J'en ai un petit peu partout. Je ne vais pas en faire beaucoup, mais un petit peu. J'aime ça, je les aime. Alors, je l'ai fait. Il y en a une par ici. Elle monte plus haut que ça, mais je vais l'arrêter un petit peu avant. En fait, il y en a plusieurs, là. Ce sont des avant-plans qui descendent de plus bas que ça ici. Ça va donner de la profondeur un petit peu plus encore au tableau. Un plan de plus, quoi. Voilà, ça occupe un petit peu le bas. Plus rouge. On en a ici un petit peu plus rouge aussi. Comme lui, je l'ai fait un petit peu trop gros, je vais revenir par là. Je vais mettre un petit deuxième ici, là. On ne sait pas trop c'est quoi, comme, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme végétation, mais en tout cas c'est sec. Ça a l'air pas mal sec. Alors attention, trop beau, c'est pas beau. Par rapport à tout le reste du tableau. Donc il faut vraiment y aller mollo avec ça. Revenir avec un petit peu de plus foncé sur celui-là. Quelques touches pâles, on y voit un petit peu des feuilles dans la lumière, un petit peu en haut, voilà, ça passe mieux avec du pâle aussi. On va couper ce rocher, le bas il est trop haut, le bas est trop haut, je vais juste le couper un petit peu. Voilà.
Encore fonce celui derrière. Voilà, je reprends un petit peu de blanc de titane cette fois-ci. Tiens, je n'en ai pas encore mis. Un petit peu de médium alkyde. Puis là, je peux faire quelques petites touches de lumière, voilà, comme ça, sur certains rochers. Cette pierre-là est un petit peu plus inventée, mais bon. C'était nécessaire, je pense. Voilà, je module un peu tout ça. Je peux remettre encore à ce moment-là après. Hop. Nouveau, la végétation en avant ici. Tiens. Voilà, je pense que. Alors, je vais regarder un petit peu, hein, comme toujours, il faut analyser un peu. C'est un tableau qui, selon moi, est un petit peu surchargé quand même. On voit que ce qui m'a attiré l'attention, ce sont les rochers. Voilà comment on s'amuse à faire de la peinture, même quand il ne fait pas très beau. Le plaisir est là, c'est ça le plus important. Alors voilà mon petit tableau. Peint quand même rapidement, en 59 minutes à peu près. Vous voyez, donc ça m'a permis de passer dans ma fourchette entre les grosses averses de pluie. Et puis voilà, le but était de passer un agréable moment en peinture. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous inciter vous aussi à sortir, peu importe la météo. Sauf quand il y a du vent, peut-être, parce que le vent, c'est quand même pas mal terrible. Mais sinon, allez-y, amusez-vous, peu importe le temps, surtout si vous êtes dans une région où il fait une météo comme ça assez souvent. Pourquoi ne pas quand même profiter des joies de la peinture? Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sous la vidéo, dans l'espace de commentaires, posez vos questions. Merci surtout de mettre les pouces en haut. Et ben je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!